Mon amour. Mon amour. Mon amour. Il y a quoi avec mon amour? Attends. Même quand un chien t'appelle, essaye quand même de répondre, non? Hein? Comment je t'appelle? Au lieu de venir vers moi, tu es là, bouche bée. Hein? Au lieu de répondre, tu es là, bouche bée, tu ne dis rien. Ça veut dire quoi? La coiffure. Hein? La coiffure, hein? Pourquoi j'ai l'impression que je te saoule? Depuis 5 jours que je suis arrivé, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Ce n'est plus la même femme que j'avais au téléphone. Ce n'est plus la même femme que je venais trouver ici quand je venais en vacances. Tu n'es plus la même. Le seul moment où tu as pu me sourire depuis que je suis arrivé dans cette maison, c'est quand je suis arrivé. Et aussitôt que je t'ai annoncé que j'ai été rapatrié, au vu de ma mauvaise humeur, tout de suite, madame a changé. Maintenant, dans la maison, nous sommes comme chat et souris. Si je suis au salon, tu es dans la chambre. Si je suis dans la chambre, tu fais tout pour venir au salon. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sens mauvais à mes narines. Je sens mauvais dans tes narines. Hein? C'est ce que tu trouves à me dire. Maintenant, je sens mauvais. Dis-moi un peu. Quand j'étais de l'autre côté là, quand nous étions au téléphone, tu me disais quoi? Que tu souhaites déjà que je rentre au pays, non? Que je vienne faire la vie avec toi? Ce n'est pas la même chose. Je ne souhaitais pas que tu sois rapatrié pour venir me trouver. Tu es rapatrié, c'est un peu la même chose. L'âme a changé d'épaule. L'âme a changé d'épaule. Comme je suis rapatrié, c'est un problème, c'est la fin de la vie. C'est la fin d'une vie. De la tienne. De la mienne. Hein? Donc quand on me rapatrie là, ça veut dire qu'on m'a coupé les mains, on m'a coupé les pieds. Tu as encore quoi? Tu vois encore quoi aux yeux de qui? Tu représentes quoi encore? C'est ce que tu dis. Fini? Merde. C'est ce que tu me dis. Hein? Il y a deux personnes ici. C'est à toi que je m'adresse. Au fait, moi je t'appelais donc pour te poser 1, 2, 3 questions. Parce que je ne comprends pas. Non seulement toi tu me boudes, ça... C'est toi qui le fais, moi je n'ai pas de souci. Peut-être tu vas te reprendre avec le temps. Mais ce que je voudrais que tu fasses, c'est quoi? C'est que tu puisses me dire. Durant les 2 années que j'ai passé de ce côté-là, j'ai pu quand même t'envoyer de l'argent souvent. Je t'ai fait de multiples envois. Et je t'ai dit, voilà, achète-nous un terrain, construis-nous, commence les constructions et tout. Tu m'as souvent envoyé des petites photos et tout. Je souhaite donc, maintenant que tu me dises exactement ce que tu as pu faire jusqu'ici, ce que tu as pu entreprendre, pour qu'ensemble, on essaye de voir ce qu'on peut faire. Parce que, sois-en sûr, je ne pourrai pas voyager de si tôt. S'il advient même que je voyage encore, alors où en es-tu avec tout ce que je t'ai envoyé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu conjugues le « on » là en quel temps? « On » toi et qui? « On, on, on. » Mais je parle de toi et de moi. Toi et qui? Tout l'argent que je t'ai envoyé. Nous sommes parentés, on se connaît. Si nous sommes parentés, si on se connaît. Tu as envoyé l'argent et puis quoi? Non, mais je veux savoir, est-ce que tu as pu faire tout ce que je te demandais de faire? La part de bénéfice d'être avec toi, c'était lequel? Ta part de bénéfice comment? Tu as dit que tu es la femme de ma vie, non? Quand je t'envoie de l'argent, c'était par rapport à quoi? Ouais, c'était pourquoi tu m'envoies l'argent. C'était pour que je t'envoie de l'argent? Oui. Attends, attends, ne me dis pas ce que tu es en train de dire là. Quand vous entendez souvent qu'il y a mort d'homme, quand vous voyez souvent les rips défiler là sur les réseaux sociaux, c'est à cause des choses pareilles. J'étais ma chose là-bas, quand on m'a pris, des gens étaient en train de se révolter, je ne sais pas, ils étaient là en train de lancer les cailloux aux policiers et tout. Et moi, sans papier que j'étais, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver au mauvais endroit et au mauvais moment. J'ai été pris, mis dans le premier avion, me voici au pays. C'est même une chance pour moi que je ne sois pas en prison. C'est une chance pour moi. Et maintenant, c'est ce que tu trouves à me dire. Tout ce que tu me racontes là, madame, que on, ce n'est pas on, toi et qui. Je veux savoir, je te pose encore la question, Cristal. Qu'as-tu fait de l'argent que je t'ai envoyé? La maison que tu m'as dit que tu construisais, avec l'argent que j'ai envoyé, je souhaite qu'on aille la voir demain. Tu comprends un peu? J'ai construit pour moi, pas pour toi ou pour nous. Tu as fait quoi? Tu as envoyé de l'argent, c'est pas mon problème. Qui a vu? Attends, j'ai qui tous a les... vu quand tu m'as envoyé? J'ai toutes les fiches d'envoi. Qu'est-ce qui justifie que c'est réellement moi que tu as envoyé? Mais c'est à toi, qu'est-ce qui justifie? Mais les papiers, le papier là, il atteste ça. Je suis la seule qui porte le nom qui est sur ton papier. Je ne veux pas savoir, madame. Je ne veux pas savoir, je dis, il faut qu'on se lève et qu'on y aille.
qu'on aille voir sur le champ. Parce que j'entreprends maintenant peut-être, comme ici où nous sommes en location, c'est moi qui paye cette maison. Et alors? Je suis là, je paye cette maison. De l'autre côté, je sais que nous construisons la maison. Donc, que de rester ici à continuer à louer comme ça, parce que je trouve que ce sera assez coûteux. On va prendre même une petite chambre. Si l'autre côté, ça finit déjà, comme tu avais présenté les photos la dernière fois, tout ce qu'on va faire, tout simplement, c'est faire quoi? C'est mettre ça en location pour repartir des zéros. Ça veut dire quoi? Je dois rire. Je construis pour moi, pas pour toi. Tu construis pour toi? Oui. Avec l'argent de qui? Quel argent? Il n'y a même pas d'argent dedans. Attends, tu travailles? Tu travailles, non. C'est moi qui fais tout pour toi. Depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui, c'est moi qui te donne tout. Ma part de fesses, là, c'est mon fonds de commerce. Donc, tu as goûté mes fesses, là, tu dois payer pour ça. Je ne te donne pas mes fesses gratuitement. Tu es une prostituée? Tu ne donnes pas ça gratuitement. Hein? Tu es venu voir ma famille que je te donne mes fesses gratuites. Attends un peu, tu me parles de ta famille maintenant. Ta famille était où quand je t'envoie de l'argent? Ta famille était où? Qu'est-ce que tu m'as dit, étant là-bas, que tu veux que je rentre déjà au pays? Que je vienne, qu'on fasse notre vie ensemble, non? Tu vas comprendre. Comprendre quoi? Ta tête ne chauffe même pas encore. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Hein? Je suis la première, la dernière à le faire. À faire? Je dis, je dois aller voir où tu vis. Tu n'as rien à voir. Et je veux savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette histoire-là ici à la maison maintenant que si je suis dans la chambre, tu sors, tu viens au salon. Si dès qu'elle vient au salon, tu sors, tu vas dans, tu retournes dans la chambre. C'est pourquoi? Monsieur, je ne peux pas rester à côté d'un rapatrié. On n'a pas rapatrié aussi comme toi. Qu'est-ce que je fais à côté de toi? Nous ne sommes pas la même catégorie, nous de la même espèce. Tu n'es pas ma femme. Femme, mon œil. Hein? Tu n'es pas ma femme. Hein? Donc maintenant que je suis au pays, pour toi, ma vie est finie. Je ne suis pas madame rapatriée. Tu n'es pas madame rapatriée. Toi, tu es monsieur rapatrié. Porte ton titre seul. Je ne suis pas madame rapatriée. Tu n'es pas madame, donc maintenant j'ai un nom, monsieur rapatrié. Mais c'est pas ton nom. Hein? Quand tu vas passer, on va que voilà le gars qu'on a, qui était en Béron a rapatrié. Qui saura que j'ai été rapatrié? Moi, je vais leur dire. Tu vas leur dire? Oui. Le problème est à quel niveau si j'ai été rapatrié? C'est pas la fin de ma vie. C'est pas la fin d'une vie. Hein? Maintenant, si c'est pas la fin d'une vie, pourquoi tu viens réclamer chez moi? Ne réclame rien chez moi. Je pense que tu as des choses que tu es rentré avec. Non. Que tu peux vendre et refaire une vie. Ce que tu ne comprends pas, c'est que effectivement, je ne suis rentré avec rien du tout. Mais tu es quand même rentré avec une montre à la main. Tu peux la vendre, faire ta vie. Je pense qu'elle peut te donner assez d'argent pour avoir peut-être un comptoir ou faire un petit commerce. Attends un peu. Durant toutes ces années, je t'ai envoyé des millions et des millions de francs. Hein. Ne commence pas par me faire ça. Je dis, quand vous envoyez les rips sur les réseaux sociaux, c'est à cause des comportements pareils, madame. Ne me fais pas devenir bête. Quand je pense comment j'avais pris la route de la Méditerranée pour arriver en Europe, je suis arrivé en Europe avec des difficultés. Quand je pense comment je faisais des vendanges en plein hiver pour te nourrir. Je t'ai envoyé. Si tu m'as envoyé. Ce comportement-ci, mais c'est quoi à la fin? Tout ce que tu bavardes là, je n'ai rien à te montrer. Tu trouves que je bavarde? Je te donne rien. Tu ne me donnes Quand rien. Quand tu dis que la maison est chère, on va prendre une chambre. Tu iras vivre dans ta chambre seule. Mais... Bientôt mon chantier fini, je vais m'installer chez moi. Je ne souffre pas comme toi. Bientôt ton chantier. Tu parles de ton chantier ou de notre chantier? Notre truc. Hein? Est-ce que tu as bonne conscience? Est-ce que tu sais que le karma existe? Ce que tu es en train de me faire, est-ce que tu sais qu'il y a un Dieu là-haut qui existe? Il ne va rien me faire. Il ne va rien te il faire. Il comprend. Tu ne sais pas qu'il punit les malhonnêtes? Il a dit qu'il comprend. Je ne suis pas malhonnête. Je ne suis pas venu te voler. Tu n'es pas venu me voler. Je t'ai donné proprement. Je t'ai donné proprement. Oui. Et pour finir, c'est ce que tu dois Mais me faire te là. Tu ne voles pas. Tu ne voles pas. Je ne te vole pas. Donc moi, je coupe. Si tu veux un peu, je peux te couper un peu. Je peux te donner même un 200 ou 300 000. Tu commences ta vie avec. Ça veut dire quoi? Donc je croupis là-bas en Europe, sous le froid. Sous la neige, donc sous la neige, sous l'hiver, sous l'été, tout ça, je suis là. Tu es sûr que tu étais même en Europe? C'est sûr que j'étais en Europe. Les papiers que je t'envoyais ne montraient pas que j'étais en Europe. Quelqu'un d'autre pouvait envoyer. N'est-ce pas? À mon nom. Oui. Je suis donc là, madame. Je suis là pour vivre l'amour que tu m'as souvent juré. Eh, pardon, ne casse pas mes oreilles. Tu comprends un peu? Tu as dit que c'est avec moi que tu vas faire ta vie. C'est ce que tu m'as dit. Nous ne sommes plus au même niveau. Nous ne sommes plus au même niveau. Ok. Nous verrons donc ce qui sera fait. Nous allons le voir. Parce que sache une chose, cette affaire ne pourra pas finir ainsi. C'est comme moi je vais faire. Je vais saisir la justice. Okay. Je vais la saisir. Vas-y. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Je vais montrer les papiers
que moi j'envoyais mes multiples mandats que j'ai pu te faire. Est-ce que ce que j'achète est à ton nom? Tout est à mon nom. Tout est à ton nom. Tout. Oh là. Oh là. Donc tu as tout mis à ton nom. Et tu vas aller manquer quoi? Quand et tu vas justifier. Sortir, quand il va sortir, je vais justifier d'où vient mon argent. Tu fais quoi? Ton comptoir, il est où? Ouais. Ta boutique, elle est où? Tout ce que tu bavardes là, c'est ta part. C'est ma part. Tu as compris. N'est-ce pas? Je ne te donne rien. Tu ne me donnes rien. Rien. Tu ne me donnes rien. Rien, j'ai pour dit. Commencer, je vais peut-être d'abord tout vendre ce qu'il y a dans... Vendre tout ce qu'il y a dans cette maison. Vas-y. Tu comprends un peu? Fais-le. Vendre tout ce qu'il y a dans cette ce maison. Sont des madame, pièces. Je dis, demain, toi et moi, nous devons aller voir le chantier. Toi et qui? Que tu as entrepris avec l'argent que je t'ai envoyé. On va voir. Nous allons voir. Mmh. C'est ce que tu me dis? Oui. C'est ce que tu me dis, c'est ta dernière parole. C'est ça que tu me dis. Ouais, ouais. Donc je suis fou, je suis bête. Tu es très bête même. N'est-ce pas? Tu es bouché. Je suis bouché. C'est-à-dire, ta tête là, il n'y a rien dedans. Ce sont les pauvres comptes qui sont en train de tourner. Mon Dieu, tu existes. Tu existes. Et on dit que tu es parfait, c'est dit que tu es omniscient. Il te lance ce que tu fais. Tu n'as, tu n'avais jamais fait du mal. C'est mon Dieu. Aujourd'hui, tu payes. Je paye quoi? Tu as fait du mal à une fille dans le passé. Aujourd'hui, tu récoltes, je te rends. Tu me rends la monnaie de ta pièce. Tu me rends la monnaie de ma pièce. Oui. N'est-ce pas? Ok, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, Dieu existe. Et nous verrons. Et cette histoire ne va pas s'achever ainsi. Parce que dès demain, tu comprends un peu? Oui. Je vais rester en justice. Vas-y. Contre toi. Pour savoir exactement, pour que tu me dises ce que moi, que la loi me dise, si je mérite d'avoir mes choses ou pas. On va voir. Tu comprends? Vas-y. C'est bien comme tu me l'as dit. Il faut je comprends maintenant. Je ne connais personne parce que si tu parles, je connais quelqu'un, tu es mort. Mais je comprends. Toi. Non, je comprends maintenant quelque chose. Pas plus tard qu'il y a de cela 6 jours avant que je n'aie tous ces problèmes et arriver ici. Il faut voir. Nous avons fait l'amour par téléphone. Madame était tellement amoureuse et tout. Mais dès que je suis arrivé ici, à l'annonce de mon rapatriement, maintenant pour te toucher, ce sont les problèmes. Madame d'Orangine, Madame d'Orampul, je veux poser la main ici, tu grondes. Dès que je viens même sur le lit, tu viens, tu t'étales sur le canapé. Je viens te trouver ici, tu retournes dans la chambre. C'est à peine si tu ne cries pas pour alerter les voisins. Je te donne mon corps pour quel bénéfice? Pour quel bénéfice? Donc tu me le vendais? Oui. Quand je venais souvent ici en vacances, on faisait l'amour, c'est parce que tu savais que j'avais de l'argent, c'était un intérêt. Je t'ai fait le roha. Tu m'as fait le roha. Viens, fais-moi. Regarde comment je transpire. Transpire, c'est à cause de toi. Pas tu comprends? Il n'y a tu pas de souci. Tu vas maigrir. Je vais maigrir. Tu vas comprendre. Nous sommes ensemble. Tape ici. Je ne tape, tape là. Je ne tape ici si tu es une femme. Toi, tu vas voir. Mets le doigt ici si tu es une femme. Voilà ça que j'ai. Tu coupes. Coupe, coupe. Oui. Tu coupes. Oui. Ok, on verra. Oui, on va voir. On verra. Et si tu me dépasses du point de vue légal, j'irai même à l'Est. Il n'y a pas de problème. J'irai à l'Est te balancer même la foudre. J'espère que tu vas tu comprends un peu? J'irai même à l'Est. Ou si même au Nord-Ouest là-bas. Tu comprends un peu? Ou chez les Bassas là-bas, j'irai prendre les missions. Je vais te balancer ça. J'attends. Tu comprends un peu? Mm-hmm. Tu vas voir ton corps là. J'ai ou aller chez les Nordistes là, te faire pourrir même les pieds. Il n'y a pas de problème. Tu comprends un peu? Vas-y. Mais c'est qui ça à la tu fin? Tu vas partir avec quel argent? Avec quel argent? Tu vas marcher à pied. Il n'y a pas de problème. Tu as dit que j'avais une montre que je peux vendre. Va vendre. Je pourrais la vendre tout au moins pour le faire. Tu vas payer. Je ne paye. Tu comprends un peu? Si tu penses me berner, si tu penses prendre ce qui est en moi comme tu veux le prendre là. Merde. Regarde. Merde. Tu n'as pas encore gesticulé. Merde. Est-ce que tu me vois trop bouger? J'ai confiance en moi. Tu as confiance en toi-même. Je ne bouge pas trop. Il faut voir les vendanges que je faisais en plein hiver. Quelle difficulté pour pouvoir avoir de l'argent et t'envoyer. Et c'est ça que tu me présentes. Est-ce que je m'ennuie? On est là. Mais monsieur le Seigneur, que j'ai même un peu nourri ta famille avec cet argent. Que tu as un peu nourri ta famille avec cet argent. Elle ne donne même rien. Il n'y a pas de souci. On est là, on est là. Tu m'as appelé monsieur rapatrié, non? Et que tu ne peux pas être madame rapatriée. Jamais. Je serai sûrement monsieur prisonnier et toi, madame la morte. Tu comprends un peu? Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on verra. J'attends, ma famille va se bénéficier même si je meurs. Il vaut. C'est qui ça? Il n'y a pas de problème. On est là. On verra, non? Il vaut, c'est mon attends que le jour se lève.